Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round. Je suis toujours accompagnée de Sébastien Love, il est infatigable. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons recevoir en visio cette fois-ci Claire Lopez, puisqu'elle va tenter d'écrire l'histoire du MMA français. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on passe aux news avec Lucien Jarre. C'est l'un des événements les plus attendus et reconnus dans le milieu du MMA français. La grande finale de la Supreme League. Lors du 100% Fight 51, la Hatch Academy rencontrera la Old School Academy pour un duel sans pitié qui opposera 8 combattants de chaque équipe. Rendez-vous le 1er juillet à l'embarcadère d'Aubervilliers pour ce duel entre les deux meilleures teams de MMA amateurs. C'est confirmé, Nora Cornol fera ses débuts dans la cage de l'UFC à Paris le 2 septembre prochain. La championne d'Europe 2022 de Muay Thai affrontera Jocelyn Edwards. La panaméenne de 27 ans a remporté 13 combats et en a perdu 4. Dans la capitale, Cornol va tenter de signer sa 7ème victoire consécutive en MMA, mais surtout sa première au sein de l'UFC. Arrivée à l'UFC en 2019, Zara Fern n'a toujours pas connu le succès. 3 combats, 3 défaites, mais la française est toujours de la partie. À l'UFC Paris, la combattante de 36 ans affrontera l'américaine Hayley Cowan, qui a fait ses débuts dans l'organisation en avril dernier. Reims était la terre d'accueil de l'Hexagone MMA 9 le week-end dernier. Un événement qui a tenu toutes ses promesses avec le magnifique succès de Prince Aounala qu'on avait reçu dans l'émission la semaine dernière juste avant son combat. Après un affrontement épique et une victoire par TKO face à Paul-Emmanuel Niaz, Prince Aounala devient le champion du monde poids lourd Hexagone MMA. Autre résultat notable, la victoire de la française Eva Dourte face à la brésilienne Andressa Romero. Après 3 rounds sous tension, Eva Dourte s'impose à la décision. C'est donc officiel, son prochain combat sera pour la ceinture. Elle devra faire face à la championne en titre, Samantha Jean-François. Appelez-le Monsieur K.O. Mathieu Le Taux Duclos a encore fait sensation. Le protégé de Daniel Warin a du plomb dans les poings et l'Espagnol Jason Santana Moreno l'a bien senti. 3ème victoire par KO en 3 combats dans l'organisation, un véritable assassin. Après avoir brillé au Cage Warriors, Mehdi Ben Lagdar a manqué ses débuts à l'Hexagone MMA. Pour son premier combat en France, il est tombé sur un immense Kevin Pastrane qui n'a pris que 2 minutes 30 pour signer le KO de la soirée. Après 6 victoires et un match nul, le Français concède la première défaite de sa carrière. Autre temps fort de cette soirée, un clash théâtralisé entre les deux plus gros youtubeurs des sports de combat, Greg MMA et Ibra TV. La scène a fait le buzz sur les réseaux, un face-à-face inattendu. Dans la cage, je pense que ça va mal se finir pour toi. Attends, j'ai pas fini, attends. Je te pèterai la gueule avec du respect. Non content de t'avoir déjà battu en lutte, qui est ta spécialité, en sachant que j'avais appris les règles la veille, j'espère que tu réviseras bien les règles du MMA, parce que moi je les connais sur le bout des doigts, et c'est pas mes doigts que tu vas prendre dans la tête, ce sera mon point. Un combat de youtubeur, certes, mais avec une expérience probante du combat. Greg MMA est un vétéran du Pride, et Ibra TV, lutteur depuis le plus jeune âge, un adepte du street fight, au point d'en avoir fait son métier à travers l'organisation de combats de street fight sur sa chaîne YouTube. Ce passionné de sport de combat s'entraîne déjà d'arrache-pied au sein de la team Warin, aux côtés de combattants renommés comme Benoît Saint-Denis. Je retrouve exactement ce que je cherche dans entraînement, dans un camp d'entraînement ou dans une salle. Ça me rappelle beaucoup un petit peu les ambiances qu'on a chez nous. Tout le monde essaie de s'entraider, même si des fois ça tape fort, des fois il y a des blessures, mais il y a toujours cette attention de bienveillance, et ça j'aime beaucoup, il n'y a pas de vice. Le youtubeur aux 4 millions d'abonnés aimerait se tester à son tour dans les règles de l'art. S'il est actuellement en négociation avec plusieurs organisations, son retour tiendra à certaines conditions. Dès que je rencontre le promoteur capable de répondre à mes attentes, avec gros volonté, je vais me préparer, et peu importe qui sera contre moi, encore une fois sans prétention, ça peut être un mec super fort, bah, la victoire sera beaucoup plus savoureuse, mais je ne vais jamais choisir mes adversaires. Il faut juste que mes sacrifices soient récompensés à la hauteur que j'estime. Son entrée dans la cage est d'ores et déjà attendue pour la rentrée prochaine. Une opposition face à Greg MMA ne serait envisageable qu'à l'étranger, hors du cadre réglementaire de la fédération. L'organisation franchira-t-elle le pas ? Affaire à suivre.
Elle va tenter d'écrire l'histoire du MMA français. Ce sera le 30 juillet prochain. Claire Lopez est avec nous. C'est notre invitée Spotlight. Salut Claire, comment ça va ? Salut Lucie, salut Seb, ça va super bien. Alors Claire, tu as une grande nouvelle à nous annoncer, mais garde le suspense, on va d'abord parler de deux, trois choses avant. Donc, ton dernier combat au Rising, on va en reparler parce qu'on n'a pas fait le point depuis ton dernier combat. Raison pour laquelle donc, tu étais venue sur ce plateau pour faire la promotion de cet événement. Raconte-nous un petit peu ton expérience au Rising. Comment ça s'est passé pour toi de l'intérieur ? C'était la meilleure expérience de ma vie. C'est vrai, pourquoi ? Tu peux nous le décrire ? Parce que j'ai retrouvé ce qui me manquait en fait dans le MMA, à savoir les émotions un peu, le show en fait. Et en fait, ouais, toute la mise en scène, le show, etc. qu'il y a autour, ça m'a transcendé avant le combat et ça m'a mis dans un état que j'avais jamais connu avant. Et ouais, c'était la meilleure expérience de ma vie. Ouais. Ouais, donc l'aspect show, et j'imagine qu'il y avait énormément de monde sur place. Il y avait 13 500 personnes. C'est un événement qui a été vendu en une minute. Ah ouais. Qui a fait soldat, donc c'était incroyable. Et puis c'est une ambiance complètement différente. Les Japonais, c'est des gens qui sont hyper respectueux quand ils regardent un combat, très silencieux, et en même temps, quand il se passe quelque chose, ben, tu les entends. Mais ce qui est cool, c'est que tu entends aussi ton coach, parce que c'est le silence. Et ouais, c'était super, j'ai adoré. Et comment sont traités les combattants en termes d'accueil, de prestations, etc.? Très, très bien. Que ce soit l'organisation, vraiment, j'ai été super bien reçue. Dès que j'avais besoin de quelque chose ou quoi, ils étaient là pour m'aider. Les fans aussi, parce qu'à chaque fois que tu sors de l'hôtel, tu as des fans qui t'attendent pour faire des photos, des autographes. Et toujours, toujours très respectueux, même surtout encore plus après le combat. Donc vraiment très bien reçue. C'est pour ça que j'ai hâte d'y retourner. Et alors justement, ton combat, il a été extrêmement intense. Comment tu l'as vécu, toi, de l'extérieur ? Parce que nous, on était subjugués. Il faut savoir, c'est la première fois que je vais au-delà de deux rounds. J'ai fait quasiment les trois rounds en entier, puisque ça s'est fini à 14 minutes. Et très, très intense, le premier round. Je suis restée au sol, mais elle défendait bien, elle repoussait beaucoup. Donc, j'usais beaucoup d'énergie à lutter et à rester en position dominante. Donc super intense, mais en fait je suis contente parce que comme je l'avais dit avant le combat, j'avais envie de me tester aussi et de dépasser un peu mes limites, savoir jusqu'où je pouvais aller. Donc c'était une bonne expérience pour moi-même au niveau de mon évolution. Alors il y a des particularités hein, au Rising, un peu comme au Pride, et tu me disais en off justement que dans la réglementation, on était autorisé à faire des football kicks et que tu étais impatiente d'en faire. Utiliser les stompes. Voilà, donc est-ce que tu as pu en faire finalement? C'est même moi qui en ai fait et pas mon adversaire du coup. Dans le premier round, j'ai fait pour défendre une clé de bras, justement, j'ai utilisé les soccer kicks, le genou dans le visage. Au deuxième round aussi, j'ai utilisé. Donc, en fait, je me suis sentie super à l'aise parce que j'avais commencé à le préparer dès mon début de camp d'entraînement. Et c'est comme si c'est devenu quelque chose d'inné et c'est sorti naturellement sans que je réfléchisse. Alors, finalement, tu t'es imposé avant la limite, encore une fois, sur une technique qu'on voit très rarement au MMA. Est-ce que c'était une technique que tu avais énormément drillée ? Est-ce que c'est sorti comme ça de ton chapeau ? Non, ce ne serait pas sorti de mon chapeau comme ça. Je l'avais beaucoup, beaucoup travaillé avec un de mes coachs qui s'appelle Sam, qui est mon coach français, en fait. Et il me l'a appris il y a 2 ans. On s'entraînait un peu à l'arrache, comme ça, dans des salles. Et en fait, il me l'avait montré. Et il m'avait dit, celle-là, on la voit plus trop souvent. C'est un peu old school, mais tu verras, les gens, ils ne s'y attendent pas. C'est clair. Et en fait, quand j'étais dans cette position, je n'ai pas réfléchi. Je l'ai juste fait parce que je la fais souvent à l'entraînement et qu'elle passe tout le temps. Et voilà, je savais que j'étais bien placée et que ça allait terminer le combat. Ah bah tu l'as remis au goût du jour, hein, c'est clair. L'organisation. Bah oui, parce qu'après, j'ai vu pas mal de clubs japonais, etc., qui ont repris cette technique pour la montrer parce qu'ils m'ont tagué dans les posts, donc j'ai vu. Et elle a été vachement réutilisée dans les jours qui ont suivi le combat. Bah maintenant, ça s'appelle une Claire Lopez. En tout cas, c'est énorme. L'organisation, elle t'a fait un retour, j'imagine, après cette performance. T'as eu un retour sur cette prestation ? Alors, j'ai eu un retour juste après le combat parce qu'en fait, la première chose qu'on a demandé à mon coach qui était présent, c'est est-ce qu'elle veut combattre la gagnante du combat qu'il y a juste après ? Donc déjà, ça voulait dire qu'ils avaient envie de me revoir. Et quand j'ai été voir le matchmaker pour finaliser quelques détails, il m'a dit de suite, je suis en contact déjà avec Combatté Global pour parler de la suite, pour parler des contrats, etc., parce que ça nous intéresse vraiment que tu intègres le roster des Atomweight, en fait, parce qu'ils recherchent des nouvelles combattantes 49 kilos.
Et voilà, et je correspond aux critères, en fait, au profil qu'ils aiment au Japon, au Rising. Ah, c'est super. Et alors, du coup, après ce combat, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris le temps de te reposer un peu? Ah, j'ai pris un très gros break. Enfin, pour moi, c'est un énorme break. J'ai pris 3 semaines et demie de vacances sans m'entraîner. Et je suis partie juste en famille. J'ai rien fait de spécial, mais j'ai profité de passer du temps avec mon fils parce que ça faisait longtemps et de me reposer. J'avais pas tellement de blessures, mais j'avais un gros surentraînement aussi ces derniers temps. Ça fait des mois que je m'entraîne sans m'arrêter. Et à la fin du camp, là, j'ai senti que j'étais très, très fatiguée. Donc voilà, j'en ai profité pour me ressourcer. Et là, je suis revenue il y a quelques jours. D'accord, ça t'a fait du bien, j'imagine. T'es revenue fraîche psychologiquement, physiquement. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, tu as pris le temps de te reposer et entre-temps, une belle nouvelle est venue frapper à ta porte. Tu peux nous en parler? Alors, moi, ça faisait un moment que je demandais à être sur la prochaine carte du Rising, enfin, celle de l'été, la grosse carte de l'été qui est le 30 juillet. Ils appellent ça le Summer Party Super Rising. Et en fait, j'avais pas de nouvelles. Et je me disais, ah, peut-être que finalement, ils veulent pas parce que c'est une grosse carte et que c'est un peu select d'y être. Et puis voilà, il y a 2-3 jours, là, au moment où je te parle, mon manager, il m'a dit, j'ai Shingo, donc le matchmaker du Rising, qui est revenu vers nous pour la carte du 30 juillet, mais il n'avait pas plus de détails. Et moi, je savais que la championne en titre, elle cherchait une adversaire, elle voulait être sur cette carte, donc je me suis dit, tiens, il y a peut-être un espoir là pour un titre ou quoi. Et voilà, en fait, j'ai reçu la confirmation dans la journée. Que je combattais pour le titre du Rising à Tom Waits. Alors, le Rising, c'est pas très diffusé en France, pourtant, c'est l'une des plus grandes organisations au monde. Ah, bah c'est. Oui, bien sûr. Et puis, c'est. Alors, pour ceux. Pour un petit côté historique, vous vous souvenez, en 97, il y a eu le Pride, hein, qui a vu le jour, cette sublime organisation qui avait même détrôné l'UFC. En 2007, ils ferment leurs portes, le Pride, et voit le jour une nouvelle organisation qui s'appelle donc le Rising. Par le président de l'ANS, enfin du Pride, qui s'appelle Nobuyuki Sakakabira. Donc c'est lui qui a créé le Rising, et ça devient, c'est l'organisation phare en Asie. Oui, parce qu'ils ont utilisé la même recette finalement. Et c'est exactement ça, vu que c'est l'ancien président du Pride, il a repris les mêmes ingrédients, on refait la même chose, des entrées spectaculaires, du MMA, du spectacle, un show, on met les athlètes dans les meilleures conditions et ça donne cette formidable recette qu'est le Rising. Mais c'est dans un ring, c'est ça? Alors, c'était dans un ring, le Pride c'était dans un ring, au début le Rising c'était dans un ring et depuis 2021, ils ont rompu avec cette tradition du ring pour faire des combats également en cage. Et c'est la première fois qu'on a un Français ou une Française qui combat pour le titre du Rising? Oui, il n'y a pas eu de Français au Rising. Ouais, donc tu serais la première. Voilà. Combattre pour un titre. Et alors ça, Il y a une Française qui a fait un combat, donc ça monte à Jean-François, au Rising, mais en termes de titre, oui, je crois que je suis la première. Ouais. Donc c'est la première fois. Et alors, qu'est-ce que tu ressens à l'idée d'être la première Française qui combattra pour un titre au Rising? Moi, j'aime bien cette idée d'être un peu celle qui fait les choses différemment, qui fait des finitions différentes, qui fait un peu dans l'original et aller m'imposer un peu au Japon, aller prendre une popularité là-bas, aller chercher un titre que personne n'allait chercher, tout comme le tournoi que j'avais fait à Miami. Je ne crois pas qu'il y ait des Françaises qui avaient fait un tournoi en une soirée. Moi, j'aime bien ces trucs-là, donc sortir un peu du cadre, on va dire. Si tu nous ressors une soumission old school, je t'invite dans un 3 étoiles. Hein. j'en ai encore 2 ou 3 dans la poche. Bien. Là. Trop bien. Surtout qu'attention, parce que là, l'adversaire, invaincu. Hein. Alors, qu'est-ce que tu sais sur ton adversaire, justement? C'est la tenante du titre, à l'heure actuelle. Oui, Seika Aizawa, en fait, c'est la championne du Rising et du Deep Jewel, qui est une autre organisation japonaise assez reconnue, féminine. En tout cas, je sais que c'est une lutteuse et grappleuse. Elle a un très bon niveau de grappling, elle a des belles soumissions. Donc, en fait, c'est la première fois que je vais affronter une fille qui a ce profil. Et je suis super contente parce que je vais pouvoir un peu montrer d'autres choses et avoir un style différent dans ce combat. Voilà, 4 victoires par soumission sur ces 10 combats, Aizawa. Et en fait, elle a la ceinture Rising. Et le Deep J. Wells, pour ceux qui ont connu, c'est anciennement le Smack Girl, qui était une grosse organisation japonaise aussi à l'époque. Voilà, c'est un petit côté historique aussi. Et alors, donc toi, ton style à la base, c'est très orienté lutte, grappling. Là, tu vas avoir ton alter ego dans la cage. Comment tu vois les choses par rapport à ça? Je suis assez confiante parce que si son truc c'est la lutte, moi je sais que ma défense de lutte elle est aussi très bonne. Je m'entraîne avec des gens tous les jours qui ont une très très bonne lutte et un bon grappling. Donc je suis pas tellement effrayée par ça.
Maintenant, je sais qu'il faut respecter son adversaire et je n'ai pas vu ses combats encore. Hein, on m'a juste parlé d'elle. Mais faire attention à tout ce qui est clé et tout, parce que dans le premier combat au Rising, j'ai quand même failli me prendre des clés. Par contre, voilà, moi, je suis contente parce que je vais pouvoir faire peut-être plus de striking. C'est une fille qui sera à ma taille, qui sera plus légère que les autres de d'habitude. Et j'ai hâte de montrer plus de striking et d'évolution en termes de pied-point. La Great Britain Top Team, c'est donc ton écurie. J'ai l'impression qu'elle est de plus en plus performante et elle a été pas mal itinérante pendant un temps. Vous n'aviez pas de club fixe. Aujourd'hui, vous avez un club, vous avez un QG. Est-ce que ça se ressent dans les résultats? Parce que j'ai vraiment l'impression là qu'il y a une montée en puissance. Ouais, c'est ce qu'on se disait quand on s'entraînait dans les autres salles. Avant, on n'avait que des entraînements le matin et le soir, on faisait un peu ce qu'on pouvait. On allait à droite, à gauche, chacun de son côté. Et on se disait, le jour où on aura vraiment un QG et qu'on aura des entraînements toute la journée, qu'on pourra venir driller dans la journée tout seul comme on veut, ça va vraiment changer les choses. Et puis, il y aura une autre dynamique aussi. Et c'est vrai, là, ça fait un an qu'on a ouvert. Et on a des mecs qui combattent partout, l'UFC, le PFL, le Cage Warrior, etc., le One maintenant, la RES. Et en fait, on a senti une grosse évolution. Et même, il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent s'entraîner chez nous pour des sparring. Des filles de l'UFC, Angela Hill, tout ça, on a eu des gros noms qui sont venus. Donc ça montre que quand même, il y a du niveau pour s'entraîner. Ouais, complètement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut estimer que vous êtes la meilleure écurie de Londres, peut-être? Oui. Oui, 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 c'est certain. Même ceux qui étaient les plus gros avant, London Shoot Fighter, maintenant, ils viennent s'entraîner chez nous les jours de sparring. Ah ouais. Et oui, oui, on a clairement pris le dessus. Je pense, je dirais même presque sur l'Angleterre, parce qu'il y a, à part nous, il y a Liverpool, Manchester, mais on fait partie des plus grosses. Hein. Alors, tu as aussi une relation très particulière avec ton coach puisqu'il t'a beaucoup aidé durant ta carrière, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est ça la clé finalement de ta réussite aujourd'hui ? Ben, en fait, j'ai eu la chance de, enfin, je me suis entourée et j'ai eu la chance de rencontrer vraiment des gens qui m'ont beaucoup aidé. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce coach Sam qui m'a appris le Nibar, il m'a beaucoup beaucoup aidé. Ça a été le premier à le faire. Et aujourd'hui que je connais Brad, il a aussi pris le relais. En fait, il m'a un peu pris sous son aile dès le départ parce qu'il a vu que je m'investissais énormément. Que j'arrivais jamais en retard à l'entraînement, j'étais là tout le temps, je refusais rien. Et il a cru en moi et il m'a beaucoup, beaucoup aidée, surtout quand c'était compliqué financièrement, émotionnellement, etc. Donc, ouais, je suis très, très bien entourée et je pense que ça fait partie des clés pour évoluer sereinement. Est-ce que suite à ta performance, tu as pu être en position pour mieux négocier ta prime ou pas? Là, en plus, c'est pour titre, donc j'imagine que là, tu peux demander quelque chose d'intéressant, non? Là, on a doublé, là. Ah ouais. Par rapport à ce qui était proposé au premier Rising. Là, on a doublé carrément. Et si ensuite je gagne et que je fais une défense, ça double encore. Pour moi, financièrement, c'est même plus intéressant que l'UFC et que les débuts à l'UFC. Et pour quelqu'un qui a fait qu'un seul combat là-bas, je trouve que c'est une belle proposition. Maintenant, je sais qu'au Rising, tu peux vraiment faire une belle carrière financièrement parlant. Donc, il y a moyen d'évoluer rapidement. Ouais, comme le champion Horiguchi qui ne voulait pas quitter le Rising, hein, tout simplement parce qu'il était gracieusement payé. Ouais. Initialement, on rappelle que tu étais au Combatté Global, donc aux États-Unis, et que le Combatté t'a prêté au Rising, entre guillemets. Du coup, ces combats, ils comptent dans ton contrat Combatté ou c'est un autre contrat qui n'a rien à voir? Ça, c'est des réponses que j'ai du mal à avoir encore parce que je l'ai posé plusieurs fois à mon manager et je ne sais pas, il y a un petit flou à ce niveau-là. Mais ce n'est pas très, très important. En fait, le Combatté, c'est ça, ils me prêtent parce qu'ils sont contents d'avoir une visibilité au Japon, de représenter leur organisation là-bas. Maintenant, là, ils m'ont dit qu'avant la fin de l'année, ils veulent me faire combattre. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir être vachement active si ça se fait. Et voilà, et de toute façon, mon contrat se termine en l'été 2024. Donc après ça, je serai libre de signer ailleurs, officiellement. D'accord, donc là, a priori, tu vas combattre au Rising et au Combatté Global. Ouais, c'est ça. Super. C'est le plan, ouais. Espérons que si jamais, à mon avis, tu vas avoir la ceinture du Rising, que le Rising ne te bloque pas, finalement, pour combattre au Combatté Global. Bah, ils peuvent pas, parce qu'en fait, c'est le Combatté qui l'a prêté à la base, donc j'imagine. Ouais, je sais pas, les termes du contrat... Bon, ça, malheureusement... Non, et après, tu combats sur la... Parce ensemble, que... Ils parlent beaucoup ensemble. Ouais. Le 30 juillet, je sais qu'il y a aussi le Bellator qui vient, c'est sur deux jours, hein. Enfin, deux soirs plutôt, hein, c'est ça? Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était le matin et l'après-midi, enfin, et le soir. Ouais. C'était un peu un événement scindé en deux parties. Ouais. Donc, tu as le Super Rising avec vraiment que des combattants Rising et des étrangers. Et puis, le soir, tu as le Bellator avec les quarts de finale et des oppositions Bellator Rising. Ok.
Si... Alors, j'ai l'impression que cette année 2023, elle a une saveur particulière. Après avoir eu tant d'obstacles sur ta route, eh bien, est-ce que ce n'est pas l'heure de la récolte maintenant? Mais c'est ça, carrément. Ouais. C'est, comme on dit à chaque fois, la patience, ça paye. Des fois, tu finis par en douter. Mais bon, finalement, je ne peux que y croire. C'est vrai que je n'ai pas relâché. Même si des fois, tu doutes, j'ai quand même persévéré. Et voilà, là, c'est vraiment... Je trouve que c'est une... Enfin, je pense que ça va être une très, très belle année pour moi. Et surtout, en fait, l'année du changement, du passage au niveau supérieur. Comme tu disais tout à l'heure, le rising, tu vois... Moi, j'ai entendu, ouais, mais pourquoi tu aimerais pas aller à l'UFC? C'est quand même là-bas qu'il y a les meilleurs du monde. Moi, il faut savoir que je combats en 49. Et déjà, l'UFC n'a pas de 49, mais en plus, je pense que le Rising a vraiment les meilleures combattantes du monde à ce niveau-là, enfin, à ce poids-là. Ce poids-là, ouais. Donc, je fuis rien du tout. En fait, je vais aller affronter des filles qui sont très, très, très solides. C'est des judokas, des lutteuses professionnelles pour la plupart. Donc, il y a vraiment un gros, gros challenge pour moi. Et je suis vraiment ravie d'être là-bas à ce niveau-là, quoi. Dernier mot avant de conclure, donc ton combat, on pourra le suivre sur le site Fight, c'est ça? F-I-T-E, si ma mémoire est bonne. Ce sera toujours la même chose? Oui, c'était ça pour le dernier combat. D'accord, donc a priori, donc, ça devrait être ça. Je pense que ce sera la même chose. Eh bien, sache en tout cas que tu as tout notre soutien. Oui. On te souhaite le meilleur et on espère que tu reviendras sur ce plateau à la rentrée avec la ceinture. Ça va être énorme parce qu'en plus, il y aura 50 000 personnes sur cet événement. Waouh, wow, non mais incroyable, c'est incroyable. Feu, plus qu'à l'UFC Paris, t'imagines? Ah ouais, c'est incroyable. Cool. Claire, vraiment le meilleur pour toi. S'il te plaît, fais-nous une technical school, on adore ça. Et puis, on te retrouve très vite à la rentrée. Allez, merci. Gros bisous. À bientôt, salut, bye. Claire. Autre date importante, Seb, le MMA GP qui pose ses valises à Genève. Et oui, à Genève, donc à l'Arena de Genève, dans cette très belle ville suisse, avec en main event Yann Kouadja contre Mohamed Saïd Malem. Alors Yann Kouadja, un pensionnaire de la Hatch Academy, 6 victoires par KO et 2 par soumission, c'est... Un striker, il a perdu son dernier combat au KSW, il l'a perdu par KO, moi j'ai eu la chance de spiker tous ses combats, sauf celui du KSW, à Yann. Autant vous dire que c'est un bagarreur, il dégage une puissance, Yann. Et Mohamed, donc Saïd Malem, lui qui est pensionnaire du Bref depuis 2019, a perdu ses 2 derniers combats, et sur ses 11 victoires, c'est 5 par KO, duel de cogneur. Clairement pour ce main event du MMA Grand Prix Genève. Et on aura également la Old School Academy qui sera fièrement représentée encore une fois avec Alphan Rocher Labesse et Michael Aljarouge. Son entraîneur, Gaëtan Hurtel, nous a ouvert les portes du club pour assister au camp d'entraînement. Projecteur sur ce nouveau club d'élite, la Old School Academy, devenue en quelques années l'un des principaux viviers de talent du MMA français. Et c'est dans ce dojo vétuste de Villecresnes que l'école de formation a pris forme sous l'impulsion d'un homme, Gaëtan Hurtel. À une petite minute encore. Si aujourd'hui il crée des champions, c'est parce qu'il tire sa motivation de son histoire personnelle. C'est un peu une manière pour moi d'accomplir des choses que je n'ai pas pu faire en tant qu'athlète, sur le plan personnel. Et du coup, ce serait une grosse satisfaction de pouvoir les emmener au plus haut niveau. J'ai été un garçon comblé, épanoui dans ma pratique. Simplement, l'âge faisant son chemin, aujourd'hui à bientôt 40 ans, j'ai un petit peu de regret parfois à me dire que j'aurais pu faire plus. J'avais les compétences pour, il me semble, et j'ai pas envie de rater une deuxième fois le coche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les compétences que j'avais en tant qu'athlète, je pense en avoir aujourd'hui en tant qu'entraîneur, et je me dis que ce serait dommage de ne pas le mettre au profit de mes jeunes. C'est des gars qui sont capables de faire des grosses concessions, qui sont capables de faire des sacrifices de vie qui sont nécessaires à la performance et au niveau. Et ça, c'est quelque chose qu'on a en commun, une grosse détermination. Hein. Inverser ma garde pour récupérer contrôle du corps et lui, il va décomposer sa défense. 1, 2, et c'est sur le deuxième temps là, que je dois pouvoir proposer une solution. D'accord ? Dès que je sens que son bras est en train de s'engager et que je perds le contrôle du corps, voilà, ici. Derrière ce désir de revanche sur la vie et cette culture de l'excellence se cache un bourreau de travail qui ne prend aucune vacances. Et s'il accepte cette rançon, c'est pour une raison évidente. Parce que je les aime, tout simplement. Je les considère comme des membres de ma famille. Et quand on aime les gens, on souhaite leur apporter tout ce qu'on peut et le meilleur pour leur développement personnel. Le succès de cette salle n'est dû ni au clinquant de ses installations, ni à sa surface, mais bel et bien à l'aspect humain. Il me connaît depuis que je suis haut comme trois pommes.
Après, on a fait tellement de choses, lui et moi, qu'on a fait des stages un peu partout. On a fait des stages à La Réunion, on se connaît, j'étais aux 18 ans de ses enfants. Enfin, on se voit vraiment régulièrement et tout. Du coup, c'est un peu un côté paternel que j'avais avec Gaëtan. Et je pense que je suis sûr que je finirai ma carrière ici, dans ce dojo qui est... Bah, tu sais, c'est bête, mais c'est tellement convivial que, en fait, j'aime le MMA, mais j'aime aussi le MMA parce que je suis ici. L'histoire d'amour de Gaëtan et moi. Première rencontre, je l'ai vu, je lui ai dit, écoute, je vais aller à l'UFC. Il m'a dit, tu vas commencer par te calmer déjà, viens à l'entraînement et fais ce que je te demande de faire. Et c'est tout ce que j'ai fait. Il me dit, fais ça, je le fais sans discuter, sans rien. C'est pour ça que je suis son soldat. Notre relation s'est renforcée au fur et à mesure du temps. Je l'ai convaincu rapidement parce qu'il a vu ma détermination, il a vu mon rigueur dans l'entraînement. Il m'a dit qu'on va y aller là où tu as envie. Les week-ends de compétition s'enchaînent pour la Old School Academy et les résultats sont au rendez-vous. Si Michael est déjà le champion de cette organisation, Alphand, lui, tentera de marcher sur ses traces en ramenant une deuxième ceinture à la maison. Cela passera par un adversaire de taille, Davey Tachon. J'ai hâte d'y être, ça va être une très belle salle. J'ai hâte de faire une belle guerre et de tout donner. Ouais, en plan de carrière, je pense que comme beaucoup de personnes, on pense au début à l'UFC, vu que c'est un petit peu près le Graal. Après, je suis pas fermé. Déjà, je sais que l'UFC, ça peut ne pas arriver et ne pas toquer à la porte. Mais après, ouais, une grosse ligue. Et puis après, moi, mon but, ce serait vraiment de vivre de ça et de me faire plaisir à affronter vraiment les meilleurs combattants sur le long terme et tout au long de ma carrière. Vu que, mine de rien, je suis encore jeune. J'ai 25 ans, là, donc ça me laisse encore pas mal d'années pour le haut niveau et aller le plus haut possible à arracher tous les mecs. L'heure est à la discipline. Les consignes de Gaëtan claquent comme un direct. D'ailleurs, ici, on le surnomme Général. Bras arrière, donc il avance sur ce boulet du bras avant, il rentre sa droite, et là, tout de suite, moi, je vais riposter avec la... Cette fois-ci, Michael Al-Jarouj ne combattra pas pour défendre sa ceinture, mais il garde le cap. Le champion a les idées claires depuis le tout premier jour. J'ai pas envie d'être comme les autres. Ça, pour moi, ça sert à rien. Si j'ai commencé un truc, faut que je sois différent que les autres. Et déjà, être un combattant, c'est être différent, mais j'ai pas envie aussi être comme tous les combattants. Il faut que je marque mon nom. Quand les gens vont parler de Al-Jarouj, il faut qu'ils disent « Ok, lui, il est différent que les autres. » Certes, il y a un tel, un tel, un tel, mais Michael, c'est un monde à part. Et à quoi je suis prêt pour y arriver? Je suis prêt à mourir. C'est pas des paroles. Franchement, je suis prêt à mourir pour réaliser mon ambition. Un jour, Gaëtan, il m'a dit, tu préfères vivre riche et personne ne se rappelle de toi ou rester pauvre et tout le monde va se rappeler de ton nom. Et réellement, je préfère deuxième option. Rester pauvre ou tout le monde va se rappeler de mon nom, pour moi, c'est une très grande richesse. Michael, the soldier, Al-Jarouj. Grâce à des locomotives comme Michael et Alphand, l'usine à champion de Gaëtan Hurtel est en passe de devenir une institution. Désormais reconnue par les acteurs du MMA français, l'écurie souhaite planter son drapeau au sein des plus grandes organisations, à commencer par le MMAGP. Le MMAGP de Genève, ce sera assurément un temps fort de la saison. Regardez ce qui vous attend dans cette bande-annonce.
Sofiane Khwaja contre Mohamed Malem pour le titre mondial de Light Heavyweight. Vendredi 7 juillet à l'Arena, Genève. Place disponible sur mmagp.org. Et le lendemain, on aura également le WML à Menton. Petit coup de pub pour cette organisation qui monte, tout simplement. Bah oui, voilà, c'est la première édition, le Warrior, la Warrior MMA League, donc le 8 juillet au Casino Barrière de Menton. Donc il faudra être présent. Alors, organisé par Jackie Ruidavet et Geoffrey Dier, donc qui est le directeur général du Casino de Menton. Des teams assez prestigieuses seront là-bas. Il y aura la team Fabio Pinca avec Grégory Wamitan qui a combattu à l'ARES. Il y aura la team Furacao, la Bushido Academy, bien évidemment. Il y aura la petite protégée donc, de Jackie Ruidavet à Alice Mikalkiewicz qui fera un combat international. Qui dit Warrior MMA League veut dire qu'il y aura forcément d'autres éditions, si c'est une ligue en tout cas. Dans un casino, c'est une première en France, faudrait être présent, comme je viens de le dire, à Menton le 8 juillet. Et ce ne sera pas tout. Le MMA français est très riche ces temps-ci. Malgré la période estivale, eh bien regardez, on va avoir un calendrier chargé. Le week-end prochain sera le plus intense de l'année. D'abord parce qu'il va y avoir le MMAGP de Genève dont on vient de parler, avec toutes ses ceintures à la clé. On va assister dès le lendemain au retour de Mokhtar Benkassi au PFL Europe à Berlin. Ce sera probablement le challenge le plus important de sa carrière face à un adversaire solide, Khurshed Kakhorov. Le lendemain, la ville de Menton accueillera donc son tout premier événement. Tu viens d'en parler, le WML. Le même week-end, il y a aussi le championnat de France amateur FMMAF à Évry. Et l'été restera également studieux pour Morgan Charrière qui combattra au Cage Warrior 157 à Londres face au Brésilien Diego Silva. Ce sera le 21 juillet, donc la semaine d'après. Le lendemain, on aura aussi Fares Diem qui signe son retour dans l'octogone de l'UFC à Londres. Il affronte Jai Herbert. 28 juillet, Hexagone MMA se produira dans les arènes d'Orange. Et le 30 juillet, eh bien Claire Lopez qui tentera d'écrire l'histoire du MMA français en remportant la ceinture du Rising. On lui souhaite vraiment de tout cœur. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci Seb. Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Eh oui. Gardez la forme. Bye.